Il y en a un ou une ici. Il y en a un ici, il a les fesses poilues. Je vois pas du tout de qui on parle. Pardon. Je suis portugaisien, donc... Il y en a une ici, limite, elle a plus de barbe que moi. Alors là, c'est... mais t'es malade ou quoi? Mais tu parles pas de moi, en fait, je te le dis, hein, moi j'ai pas de barbe, hein, MDR. Et y a qui d'autre ici? Y a pas moi, non, c'est pas moi. Il y en a un ici, il a déjà fait pipi au lit il y a pas longtemps. Il y en a une ici qui a les jambes encore plus poilues que moi. Ah, t'es vraiment Il y en a un ici, il a peur du noir. Il y en a une ici, sans maquillage, c'est une grosse arnaque. Non, ouais, c'est faux. C'est pas vrai. On te démaquille maintenant? Non. Il y en a un ici, il a tellement un gros ventre qu'on voit même plus sa quéquette. Enfin, qui le voit même plus sa quéquette? Il y en a une ici qui assume pas sa fille sur TikTok. Mais pourquoi tu recommences avec ça? Il y en a un ici qui va liker tous les commentaires de ce TikTok. MDR. Car je suis au courant qu'il m'a trompé avec cette TikTokeuse. Reviens ici. Pauvre, je connais mon mec tellement par cœur. Znedine? Quoi? Tu peux me ramener, s'il te plaît, mon lisseur qui est dans la valise? T'as des jambes, non? Bon, on y va, t'es prête, là? Non, j'ai pas fini. T'en as pas marre de te maquiller? Non, j'en ai pas marre de me maquiller. Non! Znedine, j'ai faim. Vous allez voir, il pense qu'à ça. Bah, mange-la, moi. Ah, t'es vraiment dégueulasse, hein. Mais ma vie, t'es trop beau ce soir. Merci, mon bébé. Je t'ai pas dit déjà d'arrêter de te raser la barbe? T'es pas ma mère! Si, je suis ta mère! Non! Si! Non! Je suis ta femme! Znedine! Quoi? Tu m'invites au resto ce soir? Bah oui, avec ta carte! Mais c'est toi qui payes en fait, c'est l'homme! C'est toi la femme dans le couple! Ma vie? Quoi? Tu m'aimes comment? Un peu, beaucoup, à la folie, passionnément! Oh, t'es trop mignon! Ma vie? Quoi? Je me trouve pas belle ce soir! Arrête! Je te jure! T'es trop moche! Hein? Ma vie, est-ce qu'on leur donne l'astuce secrète pour percer sur TikTok? Oui. Mais de toute façon, ce TikTok ne passera même pas dans vos. Pour toi! Il y a le nouveau son de Gambino que je te mets juste ici qui vient de sortir. T'as juste à faire un TikTok dessus et tu verras, tu vas percer! Identifie-nous et comme ça on pourra liker ton TikTok! Bois ta gentillesse! T'es très généreux avec moi, tu m'achètes beaucoup de cadeaux. Je peux pas te retourner ce compliment là, mais. Ce que je peux dire, c'est que... C'est long, hein. T'es belle. Tout ça? Ah, c'est-à-dire que je suis beaucoup belle, hein. Bah, en fait, j'ai pas trop quoi dire des trucs gentils sur toi. Là, moi non plus. Attends, je réfléchis. C'est long. t'es gentil. Je l'ai déjà dit. Non. Tiens. Ah, je vous avoue que c'est dur de trouver quelque chose de gentil à se dire. T'es généreuse. T'as raté plutôt, mais bon. Quoi? De temps en temps, tu me fais rire. Genre de temps en temps, quoi. Toi. Je sais pas quoi dire. C'est une blague, en fait. T'es des fois drôle aussi. Mais non, mais dis pas la même chose que moi. T'as pas d'autres compliments? T'es un commentable. Non, mais je l'ai pas. T'es une peste, t'es chiant, tu me fais chier. Mais je peux toi, plus te voir, toi, je te supportais toi, plus. T'es un gros menteur, t'es un gros mythomane de la vie. Moi, je suis un menteur. Oui, t'es un gros mythomane de la vie. Toi, t'as que des défauts, frère. Ça y est, m'a sauvé cette vidéo. Vous êtes vraiment des gros haters parce que à chaque fois que je fais une vidéo, ça me critique. En disant que ici, je ne suis pas bronzée, j'ai attrapé un coup de soleil. Donc, si vous, ça, c'est un coup de soleil, dites-moi, c'est quoi votre bronzage? Et vous êtes tellement une mauvaise langue que vous critiquez mon visage. Genre, vous critiquez mon maquillage. Vous dites que je suis un pot de peinture, que j'ai pas dosé le maquillage, que j'ai pas dosé la poudre, je sais pas quoi. Alors déjà, premièrement, ça c'est du bronzage. Si ça serait du coup de soleil, ça ferait plein de traces blanches. Deuxièmement, mon visage est blanc. Et non, je n'ai pas mis de fond de teint à part de l'anti-cerne, du bronzer et du blush. Attendez, je vais vous montrer quelque chose, vous allez me dire si vous connaissez. Est-ce que ça vous connaissez? Ça vous connaissez? Ça vous connaissez? Je sais pas, j'ai l'impression que vous connaissez pas. Et est-ce que vous êtes au courant que le visage prend plus de temps à bronzer que le corps? Donc oui, mon corps est noir de partout, mais pas mon visage. Il est où le problème en fait? Et regardez, même quand vous êtes des mauvaises langues, regardez, en vrai, ça fait même pas de démarcation. Vous voyez, j'ai presque la même couleur. Donc bref, s'il vous plaît, arrêtez de dire que j'ai attrapé un coup de soleil et arrêtez de dire que mon visage, il est blanc. Anya! Quoi? On y va? Mais pourquoi tu cries? Ça fait une heure que tu me dis que t'es prête dans 5 minutes. Mais je suis prête, c'est bon, ça y est. Je comprends pas, les filles, pourquoi vous êtes toujours en retard? Pourquoi 5 minutes, ça se transforme en une heure?
Je comprends pas, mais dépêche-toi. Mais ma vie, pourquoi tu t'énerves comme ça? J'ai faim. Mais arrête de t'énerver, t'es tellement pas crédible. Mais t'es pas crédible. Pourquoi tu rigoles sur moi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as? Mais tu vas où dans cette tenue? Pourquoi tu te fous de ma gueule? Viens, toi, dis-moi. Oh putain, tu vas où dans cette tenue? Mais qu'est-ce qu'elle a cette tenue? Mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas aller au restaurant comme ça. Mais pourquoi je peux pas aller au restaurant comme ça? Mais c'est la honte, moi je marche pas à côté de toi. La honte. Non, mais c'est l'archouma, moi je marche pas à côté de toi, on va te changer en fait. C'est quoi, t'as signé que j'ai grossi en fait? Non, mais tu restes pas dans cette tenue en fait. Non, mais ça y est, mais tu te prends pour qui? Ah, toi, tu crois que t'es une princesse ou quoi? Bon, allez, on y va là. Bon, Olivia, t'es prête? Avec ton étiquette qui dépasse. Depuis quand tu m'appelles Olivia, toi? Comment? Allez, maman, dépêche-toi! Je suis pas sa mère. Mais t'es sérieuse ou quoi? Quoi? Maman, j'ai faim! Mais arrête, Anya, sérieusement, là. Qu'est-ce qu'elle a, là? Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce que je fais? Où je perds la boule? Mais je suis le petit. Je suis le petit comment de ta fille? C'est ton beau-fils. C'est toi, mon fils, mongol! Maman, tu lui cries pas dessus, t'es malade ou quoi? Mais toi, t'es ma belle-fille, t'es pas. Mais qu'est-ce qui vous arrive, enfin? Vous êtes complètement cinglée, madame Olivia. Je t'ai déjà dit, arrête de m'appeler Olivia. Olivia, c'est maman. Mais maman, Olivia, il va pas t'appeler maman. Agnès, je peux parler avec ta mère parce que je... Agnès, s'il te plaît, je suis pas ta mère. T'as vu, mais... Et maman, c'est Malika, ta maman. Elle est belle, gentille, tout ce que tu veux. Ce n'est pas moi. Ça va. Maman, je te sens très... Maman, franchement, là, tu... C'est toi qui me tente. Je suis ta mère. Maman, tu me fais honte, là, arrête. Oh. Arrête, Agnès, sérieusement, là, je suis... Vous êtes en train de me stresser, là. Ah, Olivia, j'en dégage. Mais c'est Malika, ma mère. Excuse-moi tout de suite. Tu cherches quoi une... T'as pas besoin de tenue pour aller à la plage, maman? Non, mais déjà, Olivia, t'es trop habillée, là, ça va pas du tout. Comment ça, je suis habillée? Bah, t'as mis un maillot de bain. Bah oui, j'ai mis un maillot de bain. Mais... Ça va quoi? Ma vie, tu lui as pas dit ou quoi? Bah, on va à la plage, je me dis ce que je veux. Mais c'est pas bien dans ta tête ou quoi? Non, Olivia, tu peux dire ça, tu vas faire tâche là à la plage. Bon, alors là, je te jure, je vais chercher même une doudoune s'il faut. Ah, on va à la plage de nudistes. Et bah, vous allez tous les deux, mais je vais même pas vous aider. Je vais un peu de partout là. Je vais rien bronzer, je vais les traces du maillot de pain, mais ça va. Mais non, tu vas mettre les lolos à l'air et la fouf à l'air. Je ne mettrai pas poil ni devant toi ni devant toi. Mais vous êtes pas bien ou quoi? Bah, pourquoi? Mais j'ai pas 20 ans moi. Et alors? Jamais de la vie, je t'ai dit, t'as compris? Mais j'ai réservé, j'ai payé. Mais tu vas y aller tout seul ou tu vas avec. Même pas avec Agnès, tu vas pas, personne ne la regarde. Ça va pas ou quoi? Si. Mais c'est nudiste. C'est nudiste. Le but de la plage nudiste, c'est de ne pas avoir de maillot de bain. Ça rien du tout, mais ça va pas. Allez, on y va. T'as, pas t'as peur qu'on voit tes petites fesses blanches? Oui, mes fesses, mais rien du tout. T'as compris? Je reste habillée. Maman. Deux secondes, je repars à Paris. Tu vas comprendre ta douleur. T'as un peu de merde. Pourquoi tu fais le. Je me mets pas à poil. Frédéric à poil, tout qui pense, ça va pas ou quoi? Tout qui pense, bah oui, ça c'est qu'à le dire. Oh, t'es méchant. Toi, tu fermes ta bouche. Je parle à Olivia. Olivia, oui. Hier soir, quand on t'a raccompagné dans la chambre, après Zou m'a dit qu'il allait ressortir. Il m'a dit qu'il avait oublié un truc dans ta chambre. Il était avec toi ou pas? Non. Ah! Il était pas avec moi. Pourtant, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, attends, je vais voir ma mère. Il fait, j'ai oublié un truc dans la chambre. T'es pas passé me voir hier? Ah, il m'a juré qu'il était parti toi. Hein? Ah oui, oui. Il était où? Pourquoi faire? Tu serais passé me voir? Il m'a dit briquet. On s'est dit bonne nuit. Il allait oublier un truc dans la chambre. Non. Je vais voir ma mère. Ah si, si. Ah si. Ah non. Ah si. Non, t'es pas venu me voir, je suis désolée. Mais si, tu te rappelles pas. C'est pour ça qu'après, je lui ai dit pourquoi t'as mis autant de temps? Il m'a dit parce que t'étais en train de dormir, il a du tout. Mais oui, tu faisais caca. Mais ça va pas ou quoi? T'es pas venu me voir? Et fais pas tes gros yeux comme ça, hein. Tu t'es couché à quelle heure hier soir? Est-ce qu'il paraît que tu t'es couché super tard? Bah oui, il était 23h30. Ouais, dans ces zones-là, mais tu t'es pas là. Cherche pas. Tu m'as envoyé un message en plus, tiens, pour dire bonne nuit, maman. Ah, bonne nuit, maman, alors que t'es partie la voir. Mais il est jamais parti me voir, je te dis. Elle est jamais partie. Non. D'accord, ok. Bah, merci, Olivia, de ton honnêteté. Bah oui, pourquoi il a été... T'étais où encore, faire des conneries, là? Ouais, t'étais où, du coup? Je lui fais croire que je m'embrouille avec sa mère. Pourquoi elle m'appelle encore? Allô? Ouais, Olivia? C'est ma mère? Ouais, c'est ta mère, ouais. Donc t'as bavé sur moi, en fait? Ouais, si, si, t'as craché sur moi, en fait, complètement. Mais complètement, en fait, t'as craché sur moi. Putain, Agnès, tu vas pas t'envoyer ta maman. Mais me dis pas que t'as craché sur moi, on m'a répété des choses, en fait. On m'a dit que t'avais bavé sur moi. Y'a pas de chute, toi. Bébé, tu vas pas t'envoyer avec ma mère. Elle a craché sur moi. Mais elle a pas craché sur toi, ma mère. Vas-y, bah vas-y, assume alors. Bah non, t'assumes pas, t'assumes pas. Vas-y, tiens, j'ai mal à la lèvre, là, tu t'envoies avec ma mère, tu m'en rajoutes, Agnès.
Bah non, moi je te parle plus en fait. Tu craches sur moi, tu crois que j'ai te parlé? Mais elle a pas craché sur toi, c'est ma mère. Non mais y a pas de... Ouais, c'est ton fils, mais je te parle plus à toi en Attends, fait. Attends, bébé, tu peux de la bouche, s'il te plaît. Tu vas pas t'embrouiller avec ma mère, sérieux bébé, là? Vas-y, mais non, mais je te parle plus, Olivia, vas-y, moi je... Non, moi je parle plus, ouais. Je parle plus avec elle. Putain, elle t'a raccroché au nez. Non. Ania, putain, tu fais des problèmes avec ma mère, là. Elle m'a raccroché au nez. Putain, j'ai mal. Moi, je parle plus à ta mère, je te le dis. Vas-y. C'est un prank, chérie. M'appelle pas chérie, déjà. Je pirave que mon mec avec de l'ail avait pué de la bouche. Je le mets dans la bouche. Non, je peux pas, après j'ai pué de la gueule toute la journée, mais j'ai pas le choix. J'arrive pas à croire que c'est ça. Mais il fait trop beau aujourd'hui, regarde ce beau soleil. J'aime trop mon cœur. Toi plus le soleil, ça fait deux petits rayons de soleil. Je t'aime trop, mon amour. Tu sais que je voulais te dire un truc d'ailleurs avec ce joli temps. Ouais. Genre, t'éclaires mes journées et tout, je te jure. Genre, vraiment, t'es l'homme de ma vie. Je t'aime trop. Ouais, moi aussi, je t'aime trop. Tu le sais. Oh putain, bah oui, moi aussi, je t'aime de ouf. Sans toi. Ah, moi aussi, je sais pas qu'est-ce que je ferais sans toi, surtout sans ton haleine là. Hein? Ah oui, là aujourd'hui. Ah, tu sens trop bon de la bouche. C'est vrai, ma vie. Oh putain. Ah, j'aime pas l'odeur de la fraise aujourd'hui. J'ai mangé de la fraise. Mon cœur. Oui. Oui. Un bisou d'amour. Mais t'es sérieux ou quoi? Pourquoi tu pleures? Je t'ai touché? Mon discours, il t'a touché? Oh non, je peux pas. Quoi? Ah, mais je peux pas, bordel, tu pues de la gueule! Tu m'aimes pas, tu veux même pas m'embrasser? Moi, je te fais des compliments. Moi, je te fais des compliments et tu veux même pas. Tu pues de la gueule, Ania, va te laver les dents. Oh my god. Oh mon dieu. Et allô? Bonsoir madame Olivia, bonsoir, cet madame. Appel a pour but la confirmation de votre achat sur Amazon à hauteur de 9,99 €. Mais ça va pas. J'ai rien acheté madame, c'est une erreur. Confirmé. Pour annuler, dites annuler. Annuler tout de suite madame, s'il vous plaît. Je n'ai vous rien demandé. Vous avez dit confirmé. Je n'ai rien confirmé du tout, non mais elle comprend rien celle-là ou c'est comment là? Allô? Vous avez dit confirmé. Je n'ai pas dit confirmé, j'ai dit annulé. Correct. Rien, elle. Validation pas confirmée. L'équipe d'Amazon vous remercie d'avoir validé cet achat de 9,99 €. Oh, mais c'est pas vrai, nom de Dieu, je n'ai rien validé. Pour parler à un conseiller, dites conseiller. Conseiller. Dépêchez-vous, madame. Je n'ai rien acheté. Tous nos conseillers sont en ligne latente. Non, mais c'est une blague chez vous, c'est une blague. C'est pas possible, ça. Pour patienter en musique, dites musique. Ouais, bah mets la musique et passe-moi un conseiller tout de suite. Je lui fais croire que je me suis endormi alors que sa mère arrive dans 15 minutes. Calculez pas le canapé, on a cassé les pieds. Mais maman, ce soir on fait la raclette avec Léa. Ouais. Avec Ania, pardon. Léa, n'importe quoi, Léa, il s'est trompé. Non, il a dit Ania. Non, arrête, arrête de le défendre, il a dit c'est Léa. C'est pas une question de le défendre, il a dit Ania, t'as mal compris. Non, bah oui, j'ai dit Ania. Pourquoi c'est moi qui a voulu dire autre chose. Mais t'as rien dit, maman, c'est moi qui ai dit quelque chose. Non, mais là par contre, maman, stop. N'essaye pas de me défendre, parce que là, toi, elle veut me défendre, mais elle-même. Ania. On va manger une raclette, Ania. Qu'est-ce que tu me racontes là? Bah oui, Léa, franchement, tu me saoules. Non, t'as entendu? Il a dit Ania, tu me saoules. Non, il a dit Léa. Il a dit Ania, tu me saoules. Franchement, hé. Non, c'est pour rien. Lave-toi les oreilles, sérieux bébé, parce que là. Pas du tout. Vas-y, bon, sinon. Maman, on achète quoi à Noël, à Léa? Attends,
Anya, on va t'acheter. Qu'est-ce que t'as. Est-ce que t'as dit Il a dit Anya. Non, je veux rien pour Noël, je veux rien pour Noël, je veux que tu m'appelles Anya. Mais attends, rien, parce que de toute façon, il n'y a plus d'argent alors ça continue. On a dit Anya. Putain Léa, tu nous casses les couilles sérieux. Allez viens maman. Je lui fais croire que je peux voir les yeux fermés. Ok c'est bon. C'est bon ils sont sortis. J'ai sorti mes super pouvoirs, c'est bon ça y est ils sont là. Je peux voir tout ce que tu fais derrière mon dos. Non je triche pas. Ok. T'es prête? Vas-y, j'ai trop peur. Ok je pense que c'est un 2. C'est ça? Oui. Oh mon dieu mais ça marche. Ça a triché. Mais je triche pas. Bébé, quand même, okay. T'es mon mari. Ok, alors franchement, là, mon cœur, ton cerveau me dit que c'est un 3. Wow, c'est vrai? On est tellement liés, mon amour, on est fait pour être ensemble. T'es trop fort. Oh mon dieu. Ok, ok, t'es prête? Oui, vas-y. J'ai trop peur de me rater, mon cœur. Mon cœur. Oui. Je crois que c'est un 10. Wow, 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 mon cœur, on est wow, ok. Okay, je tremble et tout, j'ai trop peur, je me concentre au maximum. Dernier défi, dernier. Là, si tu réussis, ça veut dire qu'on est vraiment connectés et toi et moi, on est fait pour être ensemble. Ok. T'es prête? Oui. J'ai trop peur de rater. Mon cœur. C'est un 0. Oh, 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 oh. Non, mais c'est bon, maman, moi, je te promets, depuis qu'elle a ses règles, elle est invivable. Et bah, tu sais quoi? Je vais partir en vacances avec mes potes et elle va rester toute seule à Paris. C'est bon, moi, elle me souffre. Alors là, la vengeance, ça va être terrible. C'est pas parce que madame a ses règles qu'elle doit être infernale avec moi et que je souffre douleur toute la journée, tu me casses la tête, ouais. Eh, mais toi, tu crois trop les règles, c'est rien. Genre, je fais semblant, je fais du cinéma, eh, j'ai mal au ventre. Eh, ma copine, tu as juste tes règles, ce n'est pas une maladie. Si, c'est une maladie, les règles, ça fait mal toutes au ventre. Toutes les femmes ont ça, d'accord? Et alors, toutes les femmes ont mal au ventre. Voilà. Mais, bref, tu sais quoi, je vais arrêter de parler avec toi parce qu'on va s'embrouiller pour rien. Ouais, allez, moi, je prends mes clics et mes claques et je vais en vacances avec mes potes. Allez, bonnes vacances, amuse-toi bien. Voilà, je vais aller chier. Bah, va chier, tu me dégoûtes. C'est bon, infernal, elle est infernale. C'est rien, les règles. C'est rien. C'est rien, t'as vu tout ce qui se. Il va voir Avatar 2 au cinéma sans moi. Sûr de toi là, en fait, c'est une blague. Oui, je suis sûr de moi, je vais voir Avatar avec mes potes. C'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est que c'est un film d'amoureux, donc tu dois le voir avec moi normalement. Et alors, Anya, mes potes, ils m'ont invité avant toi. Il fallait arriver en première, et toi, tu m'invites avant eux. Tout simplement. Franchement, tu me déçois. Et en plus, tu te parfumes! Et alors? Et pour aller où? Donc, ça veut dire, quand je sors dans la rue sans toi, je dois puer. Bah, pour que personne m'approche. Ramène-moi une poubelle si tu veux, Anya. Bah oui, franchement, je préfère que tu sentes la poubelle. Vas-y, toi, t'es complètement folle. Hein. Bah, tu sais quoi? Tu veux vraiment. Attends, tu veux vraiment te parfumer, te mettre beau, tout ça? Quoi? Bah, dans ces cas-là, prends un chewing-gum en fait. Comme ça, quoi? Tu sens bon de la bouche, tu sens bon de partout. Bah, voilà. Ça pue. Voilà, allez, tiens. Prends le chewing-gum. C'est bon, t'es content? Tu peux sortir dehors? Oui, là, tu peux sortir. Là, tu vois, ça me fait moins chier, tu vois. Là, je sais que tu sens bon de partout. C'est bon, j'arrive bien. Bon, je vais. Chut, doucement! Qu'est-ce qu'il y a? Mes clés. Hein? Mes clés. T'as fait exprès pour que je revienne. Oui. Tiens, qu'est-ce tu vas trop manquer. Fais-moi sourire. Bisous. Bisous. Quoi? Bah, regardez ton avatar. Au moins, t'es dans le thème. Mais t'es sérieux là? Mais c'est ta faute, c'est ce que je suis avatar pour crasser du bleu. Putain, mais je suis. Mais non, mais ça abuse. Ma séance de cinéma. Je te jure, j'y vais comme ça. Allez, bisous. Je dis des phrases à Zizou qui ne veulent absolument rien dire. Eh, franchement, c'est jeu fléché de musique à un truc. Hein? L'exécutif à aux arguments, si, ça y est, sinon ça me saoule. Hein? Ça dit quoi? Bah, les jeux fléchés, hein, ça me saoule. Oui, mais quoi? J'ai pas compris ce que bah, tu viens de dire. Contrairement à une ascension, elle fait aussi une histoire. Ici, hein? Ça y est, c'est abusé le truc. Mais parle en français, mon cœur! Je comprends pas. Déjà, pourquoi tu fais la meuf qui joue aux jeux fléchés alors qu'il n'y a pas une seule page qui est remplie dans ton catalogue? Il y a encore le coupon de la promotion. Tu ne parles même pas en français. Et tu fais la meuf qui joue à ça alors que tu n'as jamais été à l'école. Tu sais même pas lire une lettre. Mais si, mais mon cœur, je sais lire une lettre. C'est parce que c'est fait. Qu'est-ce qui s'est fait? Ce qui s'est fait, je suis un cachot. Cachot? Non, t'as vas-y, sérieux.
Bah oui, bah un petit peu. Non, parce que je me disais que si t'avais faim, qu'on pouvait manger les chiffres et se cocher. Moi aussi j'ai envie de manger hein ça. Moi aussi j'ai envie de manger ça. Mais c'est quoi ça? Mais c'est qu'est-ce que ça se fait? Vas-y, Anna, t'es même pas drôle à te foutre de ma gueule sur ma vie. Ah, qu'est-ce que ça se fait? Après, on va manger les chiffres. T'es même pas drôle. T'es gênante. Je lui fais croire que je reçois des SMS d'autres mecs. Quoi? C'est lui qui t'envoie des messages. J'ai le droit de recevoir des SMS, bébé. Quand tu reçois des SMS, je te casse pas la tête. Oui, moi, je te dis c'est qui, donc c'est qui. Mais ça te regarde pas, je peux pas te dire, c'est confidentiel. Ok. Non, eh vas-y. Oh vas-y, arrête de rigoler là, c'est qui? Bah vas-y, fais-moi rire aussi, je veux voir c'est quoi. C'est qui t'envoie des messages? C'est qui? Vas-y. Oh vas-y, dis-moi. Ils sont énormes. C'est quoi qui est énorme? Non, vas-y, là, je rigole pas avec toi. En fait. Ah, je savais pas qu'elle en avait des aussi gros. Vas-y, c'est qui qui t'envoie? Comment ça, elle en avait des aussi mais gros? Quoi? Mais t'es sérieux ou quoi là? C'est qui la meuf qui t'envoie des messages là? Mais qui a dit que c'était une meuf? Mais elle en a des aussi gros quoi? Vas-y, montre. Bah, des pastèques. Elle m'a pas harcelé. Des fruits? Non, vas-y, je vais. Eh, vas-y, je rigole même pas avec toi en fait. La meuf, je rigole pas avec toi. Vas-y, montre, c'est qui? Oh! Non, eh, arrête de faire ça, tu m'énerves là! Mais vas-y, mais montre! Oh. Mais quoi? Oh. Je suis sûre que c'est faux, t'en as reçu quand même. C'est vraiment un gamin, vas-y, tu m'as chassé. T'as quel âge pour faire ça? S'il attrape la fraise, c'est vrai. Tu préfères jouer à la PS5 que jouer avec moi? Oui. Comment mais ça? Oui. Comment ça, oui? Oui. Mais t'es sérieux ah, ou quoi? Mais non. Mais oui, t'as un vieux mec en fait là. Je préfère sortir avec toi, je m'occuper de toi, ma pensée. Ouais, c'est ça, ouais. Cette année, tu me mets enceinte. Oui. Oh mon dieu! Oh, je suis choquée. Oh non. Tu n'es pas amoureux de moi. Mais. Je suis fou de toi, oh, tu m'as fait peur. Mais là, t'avais ce qui est esprit, hein. Toutes les personnes qui voient ce TikTok doivent le liker. Oui. Ouais. Gens, like. Je fais confiance. Tu dois t'abonner à la personne qui a le commentaire le plus liké. Oui. Refais. Promis, je m'abonne. Vas-y, refais. Ok. 3, 2, 1. Oh, c'est sorti. Mais c'est rentré. C'est rentré. Ça compte. Tu dois t'abonner, bébé. Le commentaire le plus liké. Ok. Tu m'as déjà trompé. Oui. Non. Comment ça, nous? Oui, non. C'était avec ma mère, enfin. Hein? Oui. Avec ta mère? Non, j'étais pas. C'est compliqué. Est-ce que tu comptes rester toute ta vie avec moi? Il est rentré, bébé. Il est rentré. Bébé, je suis... Comment ça tu... Va chercher, là. Va chercher la fraise. Je peux pas rester toute ta vie. Sorcière. On dit un défaut de l'autre jusqu'à ce qu'il le prenne mal. Alors, son défaut, c'est qu'il s'énerve pour rien. Genre. Et que dès qu'il y a un truc qui va pas, il va faire l'hystérique, il va jeter son téléphone par terre. Vas-y, monte ton téléphone. La preuve en image. Monte ton téléphone. Vas-y, monte ton téléphone. Voilà, merci. Elle est tellement susceptible que si je commence à raconter tous ses pires défauts, ça y est, elle commence, elle va faire la gueule et elle va s'enfermer dans notre chambre. Bah, en fait, je trouve pas de défaut parce que t'es l'imparfait. Je rigole, t'en as plein. Oh là là! Son grand défaut aussi, c'est qu'il est tellement sale que si jamais je ne fais pas la boniche à ramasser ses affaires, on vivrait dans un toit d'hiver. Ok, et pourquoi? Parce que tu es une fille. Et que tu es comme ma maman. Mais pardon? Mais les hommes aussi font le ménage! Elle veut qu'on commence à s'attaquer à ça. Madame, c'est pas mieux. Tous les matins, avant de se préparer, elle va essayer 10 tenues et elle va tout jeter par terre. qui ramasse? C'est pas toi, les gars! Je ramasse pas après. Je vous donne un vrai défaut. Tellement qu'elle est jalouse, psychopathe, madame attend que je dorme pour prendre mon téléphone et pour le fouiller. Non mais en fait vas-y commence pas à me dire des trucs comme ça parce que là c'est faux, j'entends pas que tu dormes. La vie d'un mec, ça c'est faux et en plus parce que j'ai pas confiance en toi. Vas-y bref, on arrête la vidéo, ça va. Bébé, là on est dans le magasin préféré des filles, on est d'accord? Ouais. Ok, tu as une minute pour prendre ce que tu veux, c'est moi qui paye. À partir de maintenant. Oui bah faut peut-être prendre ta taille. Vite, le temps il coule, il tourne bébé. C'est en haut. 36. Pause, trouve une autre paire. Allez, cours. Là, t'es dans les enfants, bébé. Bébé, l'heure est tournant. Bah, trouve une autre paire. Bébé, l'heure est tournant. Bébé, il te reste 10 secondes. 10 secondes.
Bébé, stop. Maman, j'ai plus alors. Oui, Ania. 38. C'est bon, je pense. C'est vrai? Bon, les gens, on est au McDonald's et... Quoi? Bah, au McDonald's. McDonald's? McDonald's, c'est la même. On est au McDonald's. Et on va goûter... C'est pas nous. Et on va goûter le Macassudia. Non. Cassidia. Ok. Donc, ça se présente comme ça. On dirait une crêpe. Je sais pas si vous voyez déjà. Ça a l'air pas très bon. C'est chelou. Hein. Vas-y, je te demande. Non, vas-y, arrête. Oh, c'est trop bon. Ah ouais. On dirait une faritas. Mais je suis choquée, c'est trop bon. Ah, j'aime trop, t'aimes pas? Moi, je suis pas végétarien. Mais fais quoi? C'est bon. Bah, chacun son tour, hein. Non, mais vous êtes tous croqués dans mon truc, genre. Là, y a toi qui me regarde, vous faites trop de bruit. Vous avez tous votre menu? Non, mais c'est une blague, j'en veux une. Moi, j'ai pas de menu. Non, mais moi, j'ai pas de menu, hein. Elle dit, vous avez tous votre menu, parce qu'on avait un truc à manger. Ça va, c'était bon, moi? Ok. Moi, c'est pas mon délire. Merci. Gâterie du 8. Ce soir, je me prépare pour aller voir un feu d'artifice. Vous allez me dire, mais Ania, qu'est-ce que tu racontes? On est même pas le 14 juillet. À partir du 1er juillet à Cannes, chaque semaine, il y a un concours de feux d'artifice. En vrai, c'est trop bien parce que les feux d'artifice ici, ils sont énormes. Olivia vient d'arriver aujourd'hui, du coup, ça fait trop du bien. Je vais rajouter encore un peu de fond de teint. Je vous jure que là, aujourd'hui, j'ai pas dosé le maquillage. Elle a payé super cher, genre c'était au moins 100€ par personne, genre juste pour voir le feu d'artifice. Je sais pas quoi mettre du tout comme tenue, genre j'ai ramené plein de robes et je l'ai déjà toute mise. Mon petit vendeur, il est tombé par terre sur le tapis, ça me dégoûte. Ça va pas le contaminer, j'ai pas le temps. Je suis hyper en retard. Le feu d'artifice, il commence à 21h30 et je suis toujours pas prête. Mon dieu, on dirait la dame blanche. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais attendez, mais là, mon maquillage, ça va pas du tout. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'ai un truc important, j'arrive jamais à me maquiller. Et dès que c'est un truc de merde, je me maquille trop bien. On dirait que j'ai mis un masque, genre vrai. Heureusement que le feu d'artifice ça sera dans la nuit, que personne verra mon maquillage. Je vais rajouter des fossiles pour cacher la misère parce que là ça va pas du tout. Je finis mon maquillage et je vous montre le résultat à la fin avec mes cheveux faits et ma tenue. Bon, je suis en retard, je vous fais une partie 2, je vous montre ma tenue et le feu d'artifice. Je passe mon téléphone à la personne qui a rendu millionnaire tous les candidats de télé-réalité. Bon, je sais pas ce qu'ils viennent de dire sur moi, on vient de me passer le téléphone. En tout cas, moi je veux passer le téléphone à la meuf la plus folle de France. Je passe le téléphone à un mec qui aime vraiment sa meuf, pas comme le mien qui est même pas un homme capable en fait. Alors on m'a passé un téléphone et moi je vais passer le téléphone à une meuf qui embelle les meufs. Elle vient de me donner le téléphone, j'ai pas compris. Donc je vais redonner le téléphone au mec le plus gênant des TikTok. On vient de me redonner le téléphone, je sais pas ce qui a été dit sur moi, mais en tout cas moi je donne le téléphone à la personne qui est la plus folle, hystérique, tout TikTok français. Téléphone, je pense qu'on a dit sur moi c'est vrai et du coup là je vais passer le téléphone à la personne qui fait le mieux en France les extensions. Yann me redonne le téléphone et je vais passer le téléphone à un gros radin. On vient de me donner mon téléphone, mais je suppose que ce qui a été dit sur moi est vrai. Moi, je donne mon téléphone à une personne qui a gagné tous ses procès. On vient de me redonner le téléphone, j'espère que ce qu'on a dit sur moi c'est vrai. Maintenant, je vais passer moi le téléphone à une personne qui m'a déjà trompé. Alors d'après vous, est-ce que vraiment vous pensez que je l'ai trompé? Le jour où mon mec a perdu ses sourcils à cause de mon pyjama. Je vais lui faire un soin du visage très spécial. On va ouvrir ça. Est-ce que ça te dirait un petit soin pour le visage? Ouais. C'est vrai? Bah vas-y, viens dans la chambre. Non, je te jure, je te sens pas. Pourquoi? T'as mis quoi dans ta main? Mais c'est de la crème, mon cœur. Vas-y, viens dans la chambre. Oui, promis, allez, viens. Et puis toi. Attends, mon bébé. T'as mis dans mes sourcils? Mais c'est un masque partout, mon cœur, sur la barbe et tout. Alors, on fait bien des mouvements circulaires. Ça fait très bien. C'est vrai. Et ça chauffe un peu. Ah bon? C'est pas normal, ça. Hein. Et maintenant, on attend 30 minutes. Non, tu peux là, te reposer. Pique. Non, mais repose-toi. Ferme non, mais les ça yeux. Ça pique trop, bébé. Non, t'inquiète, ferme les yeux. Tu veux que je t'apporte un truc à boire? S'il te plaît, oui. Ok. Après 30 minutes, on va retirer le soin, mon cœur. Alors, hop. Mon cœur. Quoi? Il y a un problème. Mes sourcils, Ania, putain! Tu perds mes sourcils! Putain! Mon dieu! Mon cœur! Les gens, on vient de se faire agresser, enfin surtout Ania s'est fait agresser et moi on m'a complètement défoncé ma voiture. Je suis désolé si je tremble. Je suis désolé pour les personnes qui étaient dans le live et qui nous ont vu, qui ont vu la scène en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, elle s'est lavé les mains, mais comme vous pouvez voir, elle s'est fait complètement arracher les ongles. Pour rien en fait, gratuitement alors qu'elle a rien fait. Vu que tout le monde nous demande qu'est-ce qui s'est passé, je vais vous expliquer tout de suite. Donc on était à la pompe à essence avec Ania, on était en train de mettre notre essence et on faisait nos vidéos.
Et en fait, il y a des meufs qui sont venues juste à côté de nous. Et en fait, juste de l'autre côté, il y avait leurs potes. Moi, j'ai dit bizarre, pourquoi ils nous encerclent et tout. Mais on n'a pas calculé. Et en fait, les meufs se sont foutues de la gueule d'Ania. On les entendait rigoler. Donc on dirait une fois, deux fois, trois fois. Mais il y a un moment, les gens, quand on est à côté de nous et qu'on se fout de notre gueule, vous croyez qu'Ania va fermer sa bouche? Donc moi, je lui ai dit de fermer sa bouche parce que c'est comme ça qu'il faut réagir aux haters. Faut ne jamais leur donner l'heure. Sauf que Ania leur a répondu, elle leur a dit, il y a un problème. Et de là, la meuf, elle a commencé à dire, ferme ta gueule, sale pute, retourne faire tes vidéos de boule et tout. Voilà. Alors que franchement, les gens, vous savez très bien ce qui s'est passé il y a quelques mois. Honnêtement, on ne vous l'a pas dit, mais avec Ania, on était vraiment en souffrance, mais puissance 10 000. Et on gardait la face, on disait rien, on souriait, on se forçait à faire des vidéos. Et sauf que le moment où, bah, on a dit la chose qu'il fallait pas dire à Ania, et ben elles se sont embrouillées, elles se sont tirées les cheveux, et de là, ben on a cassé ma voiture que je vais vous montrer juste là. Et le truc, c'est que maintenant, ces personnes-là, en fait, disent qu'ils savent où habite ma maman, ils savent où on habite et tout, et en fait, ben voilà. En fait, ils se sont menacés alors que, frère, on a rien fait. Voilà, toute la voiture, elle est abîmée. Là, à l'intérieur. Un petit peu, genre, là, tout ça. Genre c'est déformé et après c'est tout, je crois. Oui. Est-ce que ça te dit qu'on appelle le petit Zizou à la caisse? Là, genre oui. En fait il s'est perdu et tout. Là, il va crier. La honte. La honte, tu vas taper la fiche là, totale. Là on est arrivé à l'accueil et on va lui dire qu'on a perdu notre petit Zizou. Vous pourriez appeler le petit Zizou, sa mère l'attend. Moi je vais y aller, malgré. Le petit Zizou, mon fils. Bah je sais pas où il est dans le parcours. Je sais pas où il est. Zizou. Enfin, Dinedine, le petit Zizou. Il a 5 ans et demi. C'est un fond. Ah putain, Camille. Oulala, qu'est-ce que t'as fait? Il est tombé. On m'avait dit. Bah t'étais perdu, on cherchait partout. On fait le jeu de la confiance. Deux tasses. Un truc dégueulasse, un truc bien. À toi de deviner il est où. Ok mon cœur, j'ai confiance en toi, s'il te plaît. Tu me trahis pas. On se fait confiance. On se fait confiance bébé. S'il te plaît. Vu que je suis un rat, je mets qu'un billet de 20. Non, le rat il met 5 euros plutôt. Et un meuf. Vas-y, viens, c'est bon. J'ai trop peur. J'espère que c'est pas une bête, je suis une petite. Tu me fais confiance ou pas? Ouais. On refait le petit doigt? Oui, merci. Moi, honnêtement, je te conseille celui-là. Ah ouais? Ouais, tu prends lui. Bah non, je prends lui. T'es sûr de toi? Oui, parce que je te connais, tu crois que tu vas me la faire à l'envers? Tu crois que tu vas me la faire à l'envers? Attends, bébé, est-ce que tu es sûr de toi? Oui, à 100%? À 1000%. Tu ne peux pas lui? Je ne peux pas lui. Vas-y, arrête de me tricher. Ok, soulève. Hein. Ok. Un truc dégueulasse, j'ai dit. Soulève. C'est une blague. Allez, gop. Non, gop, gop. Je vais pleurer. Et regarde. Mais vas-y, mais tu m'as trahi. Je t'aime pas trahir. Non, mais quand même, le rat, il a mis que 5 euros. Vas-y, tu... Oh, vas-y, tu m'énerves. Je lui fais croire qu'il m'a trompé en faisant une fausse discussion. J'ai créé un compte fake et on va faire une fausse discussion avec son compte. Coucou mon bébé, ça va? Envoyer. Il va recevoir. J'ai fait une fausse discussion et je vais envoyer ce message là dès qu'on est dans le canapé. Ça c'est grave bien, regarde, c'est Dubai Bling. Non mais merde, j'aime trop. C'est bien, je suis parti à un homme d'affaires samedi. C'est qui? On a organisé un vrai mariage. C'est qui? Je me sens quelqu'un. Ça c'est qui? Il y a marqué quoi? Ania est partie. Hein? Comment ça Ania est partie? Mais je sais pas moi. Bébé, ça va, super, et toi? Je suis pas avec Ania ce soir. Si tu veux, là, j'attends qu'elle parte et je t'envoie un message. Je te promets, mon cœur, je n'ai jamais rien envoyé à... T'es sérieux? Comment elle s'appelle? Asia? Je suis pas avec Ania, mais t'es sérieux? Tu parles avec une fille dans mon dos, en fait? Mais t'es sérieux? Mais j'ai parlé... Mais j'ai rien fait. Mais y'a les messages. Y'a les messages, mais tu me dégoûtes. Mais je t'ai même pas trompé. Mais viens, Ania! Non, mais y'a les messages, ça prouve tout! Y'a tous les preuves! Oh putain! J'ai parlé avec personne, wesh! Je ne réponds pas à son je t'aime pour voir sa réaction. C'est ça que tu cherches? Merci, Magic. Bon, à ce soir? Bisous, on se rejoint direct à la maison. Oui, je t'aime, mon amour. Bisous! Bisous, je t'aime! Bisous! Je t'aime! Bisous!
t'aime. Bah oui, bisous ma vie, à ce soir. Bisous mon amour, à ce soir, je t'aime. Ma vie, ma vie. Bisous. Mais quoi? Je crois que t'as pas compris un truc, mon amour. Quand je te dis bisous, je t'aime, tu me dis moi aussi je t'aime, ma femme de ma vie. Moi aussi je t'aime. Oui, bisous. Est-ce que c'est clair? Oui, bisous, je t'aime. Bisous, mon amour. À ce soir. À ce soir, je t'aime. Elle est tarée. Tu m'obéis. Bisous, mon cœur. Les gens, vous êtes au courant que Anya m'a trompé. Je vous ai posté toutes les conversations qu'elle m'a trompé dans ma story Insta. Je suis complètement choqué, je n'y attendais pas. Regardez, j'ai mon alliance et tout. Mais bon, on va essayer de rester quand même en bon terme. Le pire, les gens, c'est que Anya, elle assume complètement de m'avoir trompé, elle est fière d'elle, pour elle c'est tout à fait normal. Bref, on va pas s'afficher sur les réseaux sociaux à s'embrouiller. Toi et moi, c'est fini, je leur ai annoncé. Y'a pas de soucis, je m'en fous. Et voilà. Allez, bonne continuation. Bonne continuation à toi aussi. Bref, pour tous ceux qui veulent voir les conversations, je les ai postées en story Insta. Bonsoir. Alors, je vais vous prendre un panier de grignotage fromager, s'il vous plaît. Y a plus? Ah, le grand, s'il vous plaît. Avec ça, je vais vous prendre un filet de bœuf Châteaubriand, s'il vous plaît. Bien cuit. Avec des frites. Et pour ma femme, s'il vous plaît, je vais vous prendre... Et du saumon, s'il vous plaît. Pas avec saumon. Ouais. Avec frites à haricots verts. Purée à haricots verts. Purée pommes de terre, ouais. C'est trop chaud, je crois. Bah, pourquoi? Et pour ma mère, elle aurait vu. Non, tu n'as pas mangé. Une salade au moins. Une salade? C'est vraiment tous égoïste. Aujourd'hui, je vais refaire mes sourcils, donc cette fois-ci, je vais faire un effet poudrage, donc c'est parti. Elle a commencé à me mettre de la crème anesthésiante, à définir la forme que je voulais pour mes nouveaux sourcils. Une fois que la crème anesthésiante avait fonctionné, elle a commencé à faire mon premier sourcil. Donc là, elle a passé une première couche, donc ça faisait vraiment très léger. Elle en a repassé une deuxième pour faire un peu plus foncé. Et franchement, ça faisait vraiment pas mal, juste des petits picotements. Donc voilà le résultat après seulement juste deux couches. Là, on commence déjà à percevoir le avant-après en même pas 5 minutes. Là, je l'ai filmé parce qu'elle était trop concentrée, elle était trop chou. Et c'est parti, on repasse au deuxième sourcil. Donc là, elle va refaire comme le premier sourcil. Donc elle passe une première couche. Ensuite, elle essuie le surplus. Et ensuite, elle va refaire une deuxième couche pour que le sourcil soit bien foncé et que ça tienne beaucoup mieux. Donc là, elle n'hésite pas à passer plus de temps sur les pointes pour faire un effet dégradé. Donc plus clair au niveau de la tête du sourcil et beaucoup plus foncé au niveau de la queue du sourcil. Là, c'est bientôt fini, on voit déjà bien le résultat final, c'est comme si j'avais maquillé mes sourcils. Ensuite, elle m'a mis un produit, j'étais choquée, je me dis mais c'est quoi ça? Et regardez le résultat, j'aime trop. Voici le résultat final sur la belle Anya. J'ai demandé à mon copain de me faire une vraie preuve d'amour. J'en ai marre, je veux que tu me fasses une vraie preuve d'amour.
d'amour. Mais des preuves d'amour, je t'en fais tous les jours. Non, je veux une vraie, cette fois que tu m'as jamais faite. Je t'achète du maquillage, des restos, je te fais tout le temps plaisir. Écoute-moi, si tu m'as pas fait une preuve d'amour avant ce soir, tu remets plus un pied ici. Tu veux une preuve d'amour? Oui. Je vais t'en ramener une. Carrément, je vais t'en floquer une preuve d'amour. Ok. J'ai floqué sa tête sur mon t-shirt, si ça, c'est pas une preuve d'amour. Regardez les gens, le t-shirt d'Ania que je vais mettre sur moi. Oui, 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 oui. Tu voulais la preuve d'amour? Oui, je veux. Est-ce que t'es prête? Oui, j'ai peur. Voilà. Mais c'est trop bien. Tu voulais une preuve d'amour? Je t'ai offert ta preuve d'amour. Mais je suis choquée. Mais la tête, Ania, sur mon t-shirt. Et tu vas sortir dans la rue comme ça? Eh oui. Mais moi. Attends. Quoi? T'as vu, moi je t'ai fait une preuve d'amour. Ouais. Tu vas me faire une preuve d'amour même si tu ne le veux pas. Ah bon? C'est pour toi. Bah, une blague. Mais alors? Mais moi, mais c'est trop stylé. On plaque Zizou car il veut sortir sans moi. Donc toi, t'es sûr que tu sors sans moi ce soir? Bah oui, je vais voir mes potes. Non, t'es sérieux là? Mais quoi? On va pas rester toute seule, moi je suis pas là. Bah ouais, je vais toute seule. C'est trop chiant. Ah, mais t'as les lèvres gercées. Faut que je te mette du labello. Vas-y, viens. Oui, chez mamie. Quoi? J'aime pas le labello. Mais non, mais c'est bien pour tes lèvres, mon cœur. Faut même un peu déborder. C'est bon, t'es contente? Oui, c'est bon, je suis contente. Oui, tu peux y aller, mon bébé. À demain. Allez, à toutes. Bonne soirée. Alors, toi, tu restes ici. Viens, mamie. Allez, à toutes. Bisous. Tu vas pas me barber. Tu vas revenir direct, on va s'en massacrer. Bah, t'es déjà de retour? Bah oui, je suis de retour. Bah pourquoi? J'ai annulé ma sortie. Pourquoi? Bah, je sais pas. Je sais pas. La caissière en bas, elle se fout de ma gueule, elle me fait. Vous avez quelque chose sur vos lèvres, monsieur? C'est pulpe. Ah bah tant mieux. Allez. Si je le mets, tu te coupes tes spaghettis. Oh, yes. J'ai jamais été si content de ma vie. Si je le mets, tu me payes des vacances. Non mais toujours plus toi, vas-y. Mais ça t'as pas comme ça. Putain. Si je le mets, je rase ta tête en live, ok? Oui. Oh, on est d'accord qu'il n'est pas rentré. Il est rentré, on regarde la vidéo. Vas-y, on regarde la vidéo. Si je le mets, tu dois plus te maquiller pendant une semaine. Non, non. Il est rentré. Il est sorti, il est sorti. Les gens décidaient de combien de temps Ania ne doit pas se maquiller dans les commentaires. Nous, on va tracer ton crâne, tu vas voir. Si je le mets, c'est la grève du sexe pour toi. C'est la grève pour toi aussi. Alors là. T'es trop bête, Si je mets le stylo, je dois liker tous les commentaires sous cette vidéo. Alors là, t'es même pas capable. Alors là, tu vas le faire. Il t'a triché. Je m'en fous, vas-y, fais-le, t'es même pas capable. On parie, je suis ouais, pas. Vas-y. Les gens, je like tous vos commentaires. Bien. Je plaque mon copain avec du poil à gratter. Ah ah, je vous promets, ça gratte trop. Ça va bien gratter. Cœur. Tu sais quoi, aujourd'hui j'aime trop comment t'es habillé. Ah ouais? T'es trop beau genre. Moi tu fais genre, je suis en t-shirt, en jogging et en basket. Mais je sais pas, j'aime trop ce t-shirt, je te jure. Bah allez, on y va. Allez. Eh bien, t'as mis quoi dans mon t-shirt? Ça me démange là. Putain. Bah rien, c'est bizarre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, Ania, t'as mis quoi dans mon t-shirt? Mais rien, mais t'es bizarre. Ça me démange. Démange, mais tu tapes là? T'as mis quoi dans mon t-shirt? Mais rien, mais t'es bizarre! Qu'est-ce que. Ça me démange. Mais arrête de faire ça, la honte devant tout le monde là! On appelle mon mec par le prénom de mon ex. C'est bien ça pour la maison, non? Oh, j'aime trop Naël, on peut prendre s'il te plaît? Tu m'appelles comment, Ania, là? Hein? Elle m'a appelé comment? Naël Zizou! Zizou, Naël! Bah, Zizou! Tu s'appelles Zizou? Je veux la même, Naël, s'il te plaît. Maman. Oh, Naël, regarde, je veux ça pour mettre sur le sapin. C'est trop beau. Tu veux m'acheter, s'il te plaît? Arrête de m'appeler par ton putain de egg. Je ne suis pas ton egg. Eh, hey, mais arrête, tu te calmes. Eh, hey, mais il se calme. Elle dit Zizou depuis tout à l'heure. Mais il regarde, depuis tout à l'heure, elle m'appelle Naël. Chut. Je suis pas Naël, mais. Chut. Elle a dit Zizou. Ouais, j'ai dit Zizou. Hein? Ça va 2 minutes. C'est bien ça pour ma mère, non? Mais ça va pas ou quoi? Quand j'ai besoin de ça pour acheter ceci, t'as vu, c'est pour qui ça? C'est pour les grands-mères. Mais c'est trop les Naël, vas-y, t'as même pas de goût. Quoi? Tu te calmes, les oreilles c'est comme le cul. Hein. Ça se lave en fait.
Qu'est-ce que tu fais là? Regarde, j'ai trouvé quoi, bébé? Mais c'est quoi ça, Naël? C'est mignon. C'est chelou. Ouais. Quoi? Arrête de m'appeler Naël, je suis pas Naël. Mais j'ai pas dit Naël, ma vie. Mais chante en même temps. T'as chanté, t'as pas Naël. Dis vive le vent. Naël. Les gens, on vient de se faire agresser, enfin surtout Anya s'est fait agresser et moi on m'a complètement défoncé ma voiture. Je suis désolé si je tremble, je suis désolé pour les personnes qui étaient dans le live et qui nous ont vu, qui ont vu la scène en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Du coup elle s'est lavé les mains mais comme vous pouvez voir elle s'est fait complètement arracher les ongles pour rien en fait, gratuitement alors qu'elle a rien fait. Vu que tout le monde nous demande qu'est-ce qui s'est passé, je vais vous expliquer tout de suite. Donc on était à la pompe à essence avec Anya, on était en train de mettre notre essence et on faisait nos vidéos. Et en fait il y a des meufs qui sont venues juste à côté de nous et en fait juste de l'autre côté il y avait leurs potes. Moi j'ai dit bizarre, pourquoi ils nous encerclent et tout. On n'a pas calculé. Et en fait, les meufs se sont foutues de la gueule d'Anya. On les entendait, elles rigolaient, rigolaient, rigolaient. Donc on dirait une fois, deux fois, trois fois. Mais d'un moment, les gens, quand on est à côté de nous et qu'on se fout de notre gueule, vous croyez qu'Anya va fermer sa bouche? Donc moi je lui ai dit de fermer sa bouche parce que c'est comme ça qu'il faut réagir aux haters. Faut ne jamais leur donner l'heure. Sauf que Anya leur a répondu, elle leur a dit il y a un problème. Et de là, la meuf, elle a commencé à dire ferme ta gueule, sale pute, retourne faire tes vidéos de boule et tout. Voilà. Alors que franchement, les gens, vous savez très bien ce qui s'est passé il y a quelques mois. Honnêtement, on ne vous l'a pas dit, mais avec Anya, on était vraiment en souffrance, mais puissance 10 000. Et on gardait la face, on disait rien, on souriait, on se forçait à faire des vidéos. Et sauf que le moment où, bah, on a dit la chose qu'il fallait pas dire à Anya, et ben elles se sont embrouillées, elles se sont tirées les cheveux, et de là, ben on a cassé ma voiture que je vais vous montrer juste là. Et le truc, c'est que maintenant, ces personnes-là, en fait, disent qu'ils savent où habite ma maman, ils savent où on habite et tout, et en fait, bah voilà. En fait, ils sont menacés alors que, frère, c'est... On a rien fait. Voilà, toute la voiture, elle est abîmée. Là, à l'intérieur. Un petit peu, genre, là, tout ça. Genre c'est déformé et après c'est tout, je crois. Maman, s'il te plaît, prête-moi ton tel. Pourquoi? Bah prête-moi ton tel, j'en ai besoin. J'aime pas que tu fouilles dans mon téléphone. T'as un téléphone, non? Toi tu l'aimes bien? Ouais, je l'aime bien, c'est mon téléphone, c'est pas le tien. T'es sérieux là? Mon téléphone, j'en ai marre. Je pars, pas possible ça. Non. Les gens, je l'ai vraiment éclaté, regardez maintenant, ça s'enlève. Les gens, croyez pas, je suis méchant. En vrai de vrai, c'est pour la bonne cause, parce que c'était son anniversaire. Et du coup, on va lui acheter le nouvel iPhone 14 Pro Max. Enfin, j'espère qu'on va le trouver surtout. Bon, on doit faire ce qui est marqué là. 67%. 67% pour remplir le verre. Qui commence? Okay, vas-y. Oh. Ok. À moi. Okay. À toi. 87%. Ah oui, ça change à chaque fois, ok. Mais j'ai même pas appuyé. Non, j'ai pas appuyé, j'ai pas compris, je t'ai pas vu faire au début. Non, combien de fois t'as recommencé? Non, ça se fait pas. Alors, bon, 63. T'es vraiment une tricheuse, mais c'est un truc de ouf. Voilà, bien fait, cher pour ta tronche. À moi. À moi. Combien? 61%. Alors, trop nul. 48%. Ça, t'es trop nul. Je recommence. Je recommence, moi. Allez, 43. Bon, celle qui se rapproche de plus... Oh merde, mais attends, tu parlais là. Non, c'est pas... Alors là, c'est à moi. Alors là, on va pas recommencer deux fois. Ouais. Bon, celle qui se rapproche le plus paye le resto ce soir. Enfin, non. Du coup, celle qui perd. Ouais, celle qui perd. Pour l'instant, c'est moi qui gagne. Tu dois faire 53%. Mais pour l'instant, c'est moi qui gagne. Non, t'as rien gagné du tout, menteuse. Oh, mais non, mais... c'est moi qui ai gagné. Ouais, dis-lui, elle me déconcentre. Moi, j'en ai marre. Franchement, c'est pas un jeu pour moi, ça. Fais-lui un câlin. Chouchou.
pas de main, sa main. Mets-le sur l'autre main. Mets-le dans tes mains. Oh. Ça fait peur ou pas? Non, il est trop chaud. Touche pas, toi, tu lui fais peur. Touche pas. So cute, it's a baby. Il est plus beau que toi. Ah, oh, c'est un bébé. Il est plus beau que toi. Tu sais qu'on rigole, mais ça fait de la peur. Attends, on fait échange. Je te donne mon fils, regarde ça. Ah, tiens. Ça, ça c'est pas la gang. Il a dit tu lui rapportes pas d'argent. On le relâche dans la nature. Non, je le garde avec moi. Trop mignon. Oh, il se cache, regardez sa petite main. Oh, ma vie. Olivia, t'aimes bien? Oui, je sais. Tu veux l'adopter? Oui, moi je l'ai plus pas seule. So cute. Ça y est, c'est bon, c'est fini, Olivia. Bye bye. Change pas. Et tu... Ah, t'as fait du poulet? Bah oui, j'ai entendu sur un sommet. Trop bien! T'es bon, les frais? Ouais. Bon, bah super. Je suis allée. Sinon, je suis pas sûre. Tu fais quoi là? Bah, je regarde toujours la télé. Pourquoi? Y'a pas de son. Bah, si, y'a du son. T'es sourde ou quoi? Non, t'es pas. C'est pas moi, c'est la télé qui s'est changée toute seule. Non, Olivia. Bah quoi? Non, arrête, tu veux pas regarder. Non, vas-y, mais change devant ta belle-fille. Non, arrête. Bah, va t'occuper du poulet. Oui. Tu m'as envoyé moi. C'est pourquoi tu veux la choquer comme ça? Non, je peux pas. Olivia, vas-y, change. Mais c'est rien. Toute seule. Mais c'est plus de 18 ans, t'as quel âge? Non, mais Olivia, tu peux pas. Pourquoi tu regardes là? Non, je regarde pas, je te jure, je regarde pas. Pourquoi t'as regardé? Je vais aller voir le poulet parce que franchement, je peux pas. Non, tu m'appelles quand t'as changé de chaîne. Mais viens là. Non, Olivia, viens à côté de moi. Non, vas-y, change. Mais on fait... pourquoi tu veux la choquer là? Bon, je vais mettre ma tête dans le poulet et puis tu vas commencer à me manquer. Viens, je sais pas pourquoi. T'es au courant qu'hier, il m'a pranké au restaurant. Oui. J'étais dans la confidence. Oui. Voilà. Et ben là, c'est moi qui vais me venger. Il est parti promener Nala. Quand il va remonter, il croit que je vais lui ranger sa penderie. Je vais tout lui balancer à la gueule. Ah putain, quand même. Grave. Il est en train d'arriver. Oui. Viens dans la chambre. Ta mère, elle pue tes vêtements. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Tu m'as demandé de ranger tes vêtements, oui ou non? Et moi, tu m'agresses. Ce que je fais, là. Mais moi, ouais, m'agresse. Franchement, vous êtes deux, il n'y en a pas un des deux qui est capable de ranger correctement? Franchement? Il n'y a pas à agresser les gens comme ça, venir chez les gens. Un chapeau avec les joggings, t'as vu ça où, toi? Et alors? Et là, ça, c'est quoi, ça? C'est mes ceintures. Yep. Ma sacole. Ah, putain. Ah, je crois que tu l'as vu mal. Qu'est-ce que tu parles? Mais puis, tiens tes affaires, là. J'en ai marre. Mais... Tu te rappelles hier soir, le monsieur au restaurant, le serveur, t'es bien foutu de ma gueule, non? Hein? Et alors? J'ai pas digéré! Tu m'affiches comme ça, là. Tiens tes affaires, tire à les plier toi-même. Mais elle est complètement... Ah ouais, oublié. Non, c'est bon, là, j'ai pas oublié. Et toi, t'étais dans la confidence, hein? Oh, tiens tes mêmes bains. Wow. Allez, c'est vrai. Tire à les ranger toi-même. T'es complètement taré, par contre, vas-y, sors de chez moi. Mais je vais sortir, mais me rappelle pas. Fait, tu m'as voilà, elle est rangée bien. Les gens, vous êtes au courant que ma mère et moi, demain, on passe à la télé. Ouais, je suis choquée, c'est quelle émission? C'est incroyable, transformation. C'est pour ma mère, c'est pas pour moi. Vous allez être choqués. Hein. Elle est arrivée. Mais vous allez être choqués de comment elle est repartie. Oh. Donc du coup, soyez tous au rendez-vous demain dès 17h sur M6 pour voir la croix transformation. 17h30 pour voir la croix transformation de ma mère. Merci. Les gens, je me suis fait pranker par ma mère dans incroyable transformation, regardez. Maman, t'es où? Regardez là, les gens, ils vont me pranker. Elle est fière de sa connerie, elle. Hein. La transformation, les gars. Bah, je suis bien. Oh, j'ai pas de problème de look. Maman, en fait, le truc que tu comprends pas. À l'unanimité, je n'ai pas de problème de look. Non, arrêtez. Par contre, toi. Genre, j'ai un problème. De quoi? T'es transformée. Alors, en fait, entre toi et nous, on pense que c'est un problème de génération. Parce que moi, j'ai presque le même âge que ta maman. Ok. Et je trouve que tout va bien. Je pourrais sortir comme ça. Non, en revanche, toi, par contre, ton look, pas bon, quoi. C'est des bâtards. Mec, t'as des chaussures de rando et des tagliatelles sur le front. Mais franchement, c'est la coupe des jeunes. Oh, mais t'as vu un t-shirt? Alors, moi, ça, les pattes, elles sont pas cuites. Ouais, c'est bon, là, vous allez me vexer, je vais partir. Et le baggy des années 90?
Ah, c'est ça la mode. C'est plus. En fait, du moment que moi-même j'ai mon propre style, c'est le principal. Mais c'est pas un style, ça. Dizou, je vais dire un truc. Franchement, on a presque le même âge, à quelques années près. Je suis sur les réseaux sociaux à fond, mais clairement, genre, les chemises, le pantalon, les cheveux en spaghetti qui tombent sur le front, on dirait qu'ils sont pas cuits. Ah, t'es mal, là. Non, non, mais c'est chaud. Tu mets trop de gel et tout, je sais pas. Il y a un espèce de vieux défrisage mousseux qui éclaircit, ça va c'est pas. C'est une permanente. C'est une permanente. Ah ouais, mais elle est en l'air, ta permanente. Ah non, non, je te jure. Ah non, là, en fait, non. Je rigole, je pleure, je fais quoi? Zizou, c'est surtout que ta maman nous a dit qu'elle était gênée par toi. C'est vrai? Ouais. Et si ça lui fait plaisir de te changer un petit peu, est-ce que t'as envie de la rendre heureuse à aujourd'hui? Ces jeans, ça va plus. Ok, maintenant, si c'est le truc qui va lui faire le plus plaisir au monde, oui, je le ferai. Eh ben voilà, c'est très bien. C'est mignon. Bon. Oui. Tu es contente? Super contente. On l'a eu! Il a cédé! Ça, c'est un point réussi, hein. Maintenant, on lui annonce qu'on s'est manqué de lui. Ça, c'est pour moi le plus sympa. On t'a bien eu! C'est la banque! Elle est contente! Est-ce qu'on se connaît bien? On va voir ça tout de suite. La boisson. Okay. Alors, moi, c'était vraiment pas difficile. Ta boisson préférée, c'est le Coca Chéri. C'est ça. Moi non plus, c'était pas difficile. En plus, c'était pas cher. On est d'accord, l'eau, c'est la meilleure boisson du monde. Mais par contre, Chéri, pas la Vittel. Les gâteaux, non, j'aime pas du tout. Monsieur, si j'avais en mangé les petits cœurs de Belin. Oui, parce qu'il n'y avait que ça, mais j'aime pas. Et toi, c'est les petits écoliers, parce que t'es une écolière. Ça, c'est vrai, j'aime bien. Mais toi aussi, t'aimes bien quand même. Non, je te jure, ça, je préfère ça que ça. T'en voudras pas? Non. Je connais mal, hein. Les chips. Alors, les chips, vas-y, sors. Moi, c'est pas que j'ai fait la crevarde, mais j'ai pris le mini paquet. Ah, je te jure, c'est ceux-là que j'aime bien, mais j'aime bien aussi les ondulés, mais les nature. Ceux-là, t'aimes bien. Ouais. Mais j'ai pris le petit parce que bah, c'est plus facile dans ton sac à main. C'est pas grave, c'est vrai que c'est bien. Et moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'aimes pas trop le gras et tout, et ça, c'est des petites pizzettes. C'est ça. Le fromage. Ah, parce que. Alors, on moi. J'aime bien manger le fromage. Toi, c'est le chef. Ah, j'adore le chef. Ton fromage préféré. Et moi, je me suis pas trompée. Ah non. Mais si, sur les petits toasts, t'aimes bien. Ouais, mais je préfère le camembert. Ah non, je préfère le camembert. C'est pas possible, moi j'en ai marre. Les bonbons. Les bonbons. Skittles. Mais c'est pas ça. C'est les dragibus. Ah la mytho, tu manges jamais de dragibus? Si, les petites petites boules de dragibus de toutes les couleurs. Toi, t'aimes bien? Non, pas du tout. C'est les langues qui piquent. Je déteste. Non, mais faut. C'est les fils là. Enfin, les gros fils. Non, je préfère des autres qui piquent, mais pas ceux-là. Ah d'accord. Donc, on se connaît pas quoi. Bah, c'est moi qui ai gagné. Aujourd'hui, on va. Pranker Zizou. Tu vas faire quoi? Un faux tatouage, ouais. Où je vais marquer son prénom dessus. Il va péter un câble. Il va péter un câble là. Faire ça et je vais marquer Zizou dessus. Juste ici. Juste ici. Trop drôle. Et tu vas le faire où? Sur la cheville. Ok. T'es prêt à me faire le tatouage où il y aura marqué mon fils? Oui. Oh, super, nickel, merci. Okay. Là, le dessin il est fini. Maintenant, je veux que tu finisses de marquer Zizou. Zizou, ok, pas de problème. Il va péter un câble. Là, il va péter un câble. C'est énorme! Bon, Olivia, t'es prête? Ouais. Allez, je la on va rejoindre Zizou, c'est parti! C'est parti! Il est là. Oh! Non, c'est pas trop tôt, putain, on vous a. On a une surprise pour toi! Vas-y, Olivia, montre-lui la surprise! Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, elle a fait une flamme, raison. Non, mais oui. Regarde bien! T'es gravé! Zizou! À vie, tu vas rester avec. Bah oui! À vie, on va rester collés. Moi aussi, j'en ai un, Olivia. Bah oui, jusqu'à la mort. Mais bah non! Je voulais pas qu'il marque du tout, j'ai coupé le pied! J'ai plus ça! Bah pourquoi tu l'as fait alors? Bah je vais pas garder Zizou sur ma jambe non? Et bah moi j'ai coupé tout le corps alors dans ce cas là? Ouais, si c'est tu veux! N'importe quoi! Avec ta gueule! Elle va là-bas, tiens! Allez! C'est bon ce que tu manges? Ouais. Maman, sa purée! Tu fais quoi là? Elle est bonne? Deux secondes, ouais, je regarde. J'ai même pas eu le temps de. Elle est chaude? T'es pas contente? J'ai un peu le temps. Je suis dans le restaurant là. J'ai un peu le temps. Bon, vas-y. Attends, ça, tu veux la purée, maman? Ouais, je veux bien, merci. Eh, mais c'est ma purée! Tiens, t'en veux un peu? Voilà. Merci. Tu vois, elle partage. Je la partage, en gros, c'est ma purée. Ouais, pas. Tu veux pas aller faire un tour? Olivia, est-ce que moi je pense que tu parles, mais vous êtes pas. T'as pas un terrain? Ouais, t'as pris le dernier couvert, j'en voulais, je commence, c'est gentil. Mais vous êtes sérieux? J'avais hyper faim en plus. Ouais. Non mais vas-y, je recommande un plan. Moi je prends ça. Non mais hey, bah tiens, je te laisse un peu la purée, tiens. Non, tiens, je te donne une frite. Voilà. Ah, tu la veux la purée? Non, c'est pas assez là pour elle. Faut qu'elle mange un peu quand même. Non, c'est bon. T'es toujours en train de bouder toi aussi. Tiens, je t'ai mis un bouchon. Non mais j'avais faim, vous m'avez...
Non, mais vas-y. Eh, t'es au régime, non? Non, c'est toi ton régime. Comment tu me parles, là, sérieusement? On va broquer Zizou. Comme on vous l'a dit, demain on va aller mon au fils. Parc Astérix avec mon Aya fils, et Anaïs. Mon fils, avec tout ce que t'as vécu ces dernières années. Regardez ma mère, elle m'a encore un cadeau. Un petit cadeau. C'est quoi? Bah c'est pour toi. Vas-y. C'est quoi maman? C'est pour toi. C'est ça, c'est avec tes t'as amandes. T'as l'EDF à payer, les amandes. Un P4 là. Petit cadeau. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Avant. T'as la maison. C'est une blague? Si tu trouves pas le pays sur ta tête, tu te manges oui, deux chamallows dans pas, la bouche. Triche pas, doucement. Oh là là. Tu sais pas, un, pas. Non, deux, attends, trois. C'est pas la République. Cherche pas, c'est pas ça. Pas tiens. Pas... Ah non, oh. Cherche pas. Pourquoi tu m'as vu? Pourquoi tu m'as vu? Je sais pas. Tahiti. Ah, c'est l'Angleterre. Non. Trop tard. Bon non. On joue souvent. Trop ça. C'est une urgence, ça, non? Non, c'est Pays-Bas. Je ne sais plus. Mais qui?